Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctetou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Warzone. On va se retrouver pour une énorme vidéo tuto pour réaliser tes top 1 super facilement. Ça va être une vidéo assez longue, je pense que tu l'auras vu à la durée de cette vidéo, mais ça en vaut franchement la peine parce que je vais lâcher toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez réaliser des top 1 dans la plus grande des facilités avec les meilleures astuces que possible pour réaliser vos top 1. Avant d'attaquer très vite le sujet, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. Voilà, on se rapproche de plus en plus des 120 000 abonnés suite à la reprise, donc n'hésite pas de t'abonner et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Voilà, tu connais l'objectif, les 1000 likes. Lâche ton pouce bleu pour le gros soutien, pour le travail qui va être réalisé derrière parce que je vais absolument tout vous expliquer. Et évidemment, derrière, un gros top 1 réalisé en 37 kills en solo. Cette fois-ci, il n'y aura pas de problème au niveau de la musique. Tout sera good. Je vous laisse avec ce début de tuto. Pour commencer ce tuto, je pense que tu es au courant. La map de Call of Duty est remplie de maps, en l'occurrence de Call of Duty Modern Warfare, ce qui est plutôt assez cool, ou pas selon certains. Mais au niveau de la guerre de territoire, c'est vrai que j'ai énormément joué en guerre terrestre, donc je reconnais énormément certaines maps, et d'autres évidemment que je ne reconnais pas, et que vous allez devoir apprendre. Oui, c'est le plus important à l'heure actuelle, c'est vraiment bien comprendre la map, son fonctionnement, c'est être glitch, et oui, je dis bien c'est être glitch, parce que lorsque vous allez jouer en 3v3 pour votre top 1, il va falloir également connaître les head glitch, connaître tous les endroits possibles, comment surpasser un bâtiment, comment tout faire, parce que dans ce battle royale chaque mouvement va être important. On n'est pas sur Fortnite, on n'est pas sur Apex Legends, donc on peut se permettre de faire certains moves. On est sur un Call of Duty, donc certainement, et c'est même sûr, nos moves sont réduits. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, vous ne pouvez pas essayer de faire des gros trucs, vous êtes vraiment sur un Call of Duty terre à terre. Donc là-dessus, ça risque d'être assez intéressant. Et de toute façon, vous allez voir un clip maintenant en escouade VS Solo, auquel je vais raser l'endroit. Je vais complètement raser parce que je suis allé tellement de fois que je sais où vont aller les alliés, enfin, où ils vont aller, quel mouvement ils vont faire, comment ils vont faire pour se replier, et ça va être le truc le plus important. Comprendre pourquoi vos adversaires vont ici, pourquoi ils vont faire tel déplacement, où vous pouvez trouver vos armes, et où également vous pouvez choper le store. Alors effectivement, le store n'arrête pas de bouger, droite, gauche, un autre endroit, peut-être éventuellement, si vous allez au store, il n'y a absolument personne, et il n'y a absolument pas de store, mais il faut que vous connaissiez à peu près où sont les emplacements. Parce que non seulement ça va vous aider, mais dans certaines situations, vous allez vraiment en avoir besoin de comprendre comment marchent les maps. Donc ce que je vous recommande très fortement, c'est aller à des endroits que vous n'avez peut-être pas eu l'habitude d'aller. Alors évidemment, je ne vous demande pas d'aller de l'autre côté de la map, mais apprendre. Vous y allez deux ou trois fois avec des potes et vous allez vraiment apprendre. Également, une bonne technique pour que vous essayiez de bien comprendre le truc, comment bien gérer les adversaires et tout, faites du solo vs squad. Alors, je sais que vous n'avez pas tapé de top 1, ça je vous le dis tout de suite. En solo vs squad, si vous cherchez des kills comme moi, à toujours chercher le gunfight, à toujours chercher les types, ça va être impossible. Franchement, ça va être impossible si vous êtes toujours en non-stop, en rush, etc. Va falloir énormément attendre, et encore dans certaines situations vous allez être bloqué parce que à partir du moment où ils sont 3, c'est pas comme sur Blackout auquel vous avez des armures différentes, etc. Je dis pas que c'est pas bien, je préfère clairement le système de, comment s'appelle, de Modern Warfare avec le système d'armure, mais vraiment vous avez droit qu'à une seule armure. Déjà, vous avez droit à une seule armure avec 3 plaques, etc. pour vous sauver. Ce n'est pas comme sur Blackout, auquel tu peux avoir une armure T3 et l'autre a une armure T1 et t'as clairement l'avantage sur lui, avec 200 HP. Non, on n'est clairement pas dans ce genre de situation-là, donc il faut vraiment que vous soyez intelligent. Déjà, la map, c'est super important. Deuxième des choses, le déplacement. Le déplacement va être super important sur, de nouveau, ce Battle Royale qui est Warzone. Pourquoi il va être encore plus important? On n'est pas sur Fortnite, on n'est pas sur Apex Legends. Il va falloir bouger intelligemment. Chaque move que tu vas faire peut être critique. J'ai raté pas mal de top 1 parce que justement, je décide de faire des moves en essayant de faire le super-héros. Tu sais, je décide d'aller seul, allez, je vais tous les défoncer, etc. Puis il y a le retour à la réalité où tu te rends compte que tu peux très vite te descendre super rapidement, soit dans la tête, soit par un sniper, parce que les snipers ont clairement l'avantage, mais on va en revenir ça un peu plus tard au niveau de la création des classes. Et par rapport à ça, c'est dit, voilà. Donc n'hésitez pas, ne faites pas le héros. Attendez vos alliés, faites des trucs assez intelligents. Et si vous voulez vraiment vous entraîner, je vous recommande très fortement
évidemment de jouer en solo vs squad pour vous entraîner, pour essayer de mieux comprendre les déplacements, de vos déplacements déjà, et de vous juger, de vous jauger également, juger sur les erreurs que vous faites et jauger selon le niveau que vous avez. Ça, c'est super important. Et le dernier petit point, évidemment, par rapport à tout ça, ça va être plus tard la création de classe. La création de classe n'a jamais été aussi importante sur un Call of Duty. Croyez-moi, ça n'a jamais été aussi important parce que sur Fortnite, t'as des sortes de méta avec des armes que tu récupères par terre, etc. Dans ce Call of Duty, les armes, la création de vos classes vont clairement faire toute la différence. Non seulement vous avez des atouts, non seulement vous pouvez choisir vos mortels, non seulement vous pouvez choisir vos tactiques qui vont vous permettre tout simplement d'être assez intelligent, de prendre le dessus sur votre adversaire. Et ne rigolez pas, certains vont dire « Ouais, mais moi j'ai des classes de merde, etc. » Bah, il va falloir que tu crées des classes très intelligentes, justement, que je vais vous parler juste après. Et sans parler, évidemment, du store. Le store est votre meilleur allié, les potes. Le store est votre meilleur pote. C'est Shenron, mon gars. Il peut ressusciter tout le monde, tu peux aller récupérer de la vie grâce aux plaques. Tu peux également acheter des strikes comme des drones qui sont super importants. De l'auto-réanimation, mon gars, c'est Shenron. C'est Shenron, c'est ton gigapote. Tu dois toujours essayer de rester autour d'un store. Je ne dis pas être sur le store, parce qu'il y a plein de monde qui va arriver, etc. Mais je suis utilisé très intelligemment votre argent, surtout via les contrats, que je vais parler un peu plus tard, parce que ça aussi, c'est super important, les contrats vont vous aider. Évidemment, qui parle de technique pour faire du kill facilement, pour empêcher son adversaire de nous faire très mal dès le début de game, il y a une technique avec le parachute pour ceux qui ne savent pas. Déployer le parachute et ensuite l'enlever, ce qui permet en fait tout simplement d'obtenir une arme dans les mains, enfin notre arme du début, et qui va nous permettre tout simplement d'affronter notre adversaire. Alors c'est au choix, soit tu décides de le faire, soit tu décides de pas le faire, mais c'est une vraie petite astuce qui permet justement de pas mal blesser son adversaire, que je vous recommande très fortement. Étant donné que j'ai parlé du store, maintenant je suis également obligé de parler des contrats, des primes qu'on peut avoir, qui est totalement sous-coté. En réalité, c'est un truc super important pour deux raisons. Premièrement, l'argent. Ça va être super important, qui va vous permettre d'acheter non seulement des drones ou éventuellement des plaques, enfin bref, tout ce que tu veux réanimer ton pote. Le deuxième point, ça va être une sorte de drone assisté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous avez tout simplement pas la possibilité d'acheter un drone et qu'il vous manque de l'argent, en prenant un contrat, une prime sur la personne, ça vous indique où est la personne, première des choses, et ça vous donne de l'argent par rapport à ça. Donc c'est absolument sous-coté et c'est absolument à prendre au sérieux. Parce qu'une prime, ça peut vraiment vous sauver la vie de savoir où ils sont, de vous juger également par rapport à la situation où vous êtes. Si vous êtes en bas, essayez de prendre de la hauteur. Voyez si vos adversaires sont en haut, si c'est justement le contraire, vous êtes en haut et ils sont en bas et vous avez la zone à votre avantage. Restez au niveau du top. Plus vous avez de top et plus vous allez être bon. Et d'ailleurs, c'est également le truc le plus important hein, au niveau des contrats, ça va être également de pas rusher comme des débiles. Hein, non, vous êtes dans un battle royal. Dans un battle royal, il faut savoir être intelligent au niveau de vos déplacements. Et justement, le contrat va justement vous aider en fait à situer vos adversaires et évidemment de les tuer. Mais à vos risques et périls, évidemment, le niveau de menace va être différent. Si vous êtes loin, ça va être niveau 1. Si vous êtes tout près, ça va être niveau 2. Et si vous êtes tout vraiment à côté, ça va être niveau 3. Et là, évidemment, vos adversaires vont savoir que vous êtes juste à côté. Et évidemment, il faut qu'on parle des classes, qui est la chose la plus importante. Comme je vous l'ai dit, la classe sur Call of Duty Modern Warfare est vraiment très très importante. C'est la chose la plus importante que vous pouvez débloquer dans les stores ou tout simplement dans les largages de ravitaillement que le jeu peut offrir. Alors là, évidemment, je vous ai montré pendant un court moment ma classe, enfin une des classes que j'utilise énormément sur le Battle Royale, qui n'est pas terminée vu que vous avez vu qu'il manque encore des places pour le Desert Eagle, mais le Desert Eagle que j'utilise pas très souvent évidemment. Il faut savoir une chose, c'est que les munitions sont très limitées sur Warzone. On n'est pas de nouveau, comme j'ai dit, sur un Fortnite, ou sur un Apex Legends, ou sur un Blackout, auquel on peut se permettre d'avoir énormément de munitions. Les munitions sont très limitées au niveau de vos AR, des SMG et tout ce qu'il faut. Donc, il va pas falloir prendre des doubles catégories d'armes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si vous avez deux fusils d'assaut, vous allez devoir en jeter un. Ça ne sert à rien. On n'est pas comme sur H1Z1 auquel on peut se permettre de jouer avec une double AR et un fusil à pompe. Vous oubliez totalement ça. On est sur Call of Duty.
Modern Warfare Warzone, donc il va falloir que vous preniez d'autres styles. En l'occurrence, le meilleur des styles que je peux vous recommander, c'est jouer AR Sniper, parce que le sniper est vraiment trop abusé pour le moment. J'espère qu'il va subir quand même un petit nerf, parce que c'est un peu trop facile. J'espère qu'il y aura un peu du bullet drop ou du bullet time, genre d'une seconde au moins, qu'on puisse avoir un temps de réaction. Et qui en plus peut vous one-shot si vous vise bien, et ce qui est plutôt assez facile sur Warzone de toucher quelqu'un de la tête avec un sniper. Niveau des atouts, et ça va être super important, il y aura vraiment... Chaque atout va être un peu important à sa manière, mais en réalité il n'y en a que quelques-uns qui sont importants. En l'occurrence, sang-froid, pas de course, et le troisième qui est, je crois, démineur, qui permet en fait d'avoir des dégâts en moins. Alors de nouveau, ces trois atouts sont les plus importants, parce que pillard ne sert pas à grand chose, chaîne d'élimination non plus, et régénération rapide, je trouve qu'on régénère assez rapidement la vie sur le Battle Royale, donc complètement inutile. Soit vous prenez les trois, soit rien. Enfin, il faut prendre les trois, en gros. Ensuite, on a sinon fantôme, alors en deuxième atout qui est super important, alerte maximale, qui est une sorte de sixième sens, que je recommande également fortement, qui est vraiment très utilisé. Surarmement, pas forcément, parce que vous pouvez récupérer d'autres armes, des classes que vous avez tuées, etc. Donc, oubliez un peu surarmement, et éventuellement, vous pouvez prendre détermination. Détermination est quand même assez utile. On va dire que détermination est quand même assez utile. Mais le reste, oubliez de nouveau, donc soit fantôme, soit alerte maximale, soit détermination. Et évidemment, en troisième, vous pouvez choisir à peu près tout ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi Tracker, je trouve que c'est le meilleur, qui permet de voir les pas de mes adversaires. Mais il y a également Observateur, qui est vraiment très, très, très utile, que je vous recommande. Et également, je crois que c'est Technicien ou Survolté, qui permet en fait tout simplement de rechercher et de prendre les armes plus rapidement. Et c'est vrai que si tu joues Sniper et en même temps AR, c'est vrai que c'est vraiment un combo très dangereux et totalement sous-estimé, que très peu de gens utilisent, ce qui est un peu dommage, mais que je vous recommande également fortement. Voilà, après vous avoir expliqué à peu près les atouts qu'il faut utiliser, etc., j'ai évidemment oublié de vous parler d'une chose, limite la chose la plus importante par rapport à tout ça, ça va être la classe tactique, qui va être en l'occurrence le capteur cardiaque, je crois que c'est ça, c'est cardiaque, etc., je ne me souviens plus vraiment comment il s'appelle, c'est ce qui vous permet tout simplement de détecter vos adversaires assez facilement. C'est vrai que c'est une tactique qui n'a pas été vraiment utilisée au niveau de la guerre terrestre ou autre chose, etc., mais que je vous recommande très fortement en Battle Royale. Pourquoi je vous le recommande? Étant donné que si vous n'avez pas de contrat à côté de vous, si également vous ne pouvez pas acheter de drone, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à détecter où sont vos adversaires, etc. Non seulement en plus dans les bâtiments, pour les personnes qui aiment bien camper à certains endroits, le capteur va vous dire à peu près où ils sont. Effectivement, il ne va pas vous dire de quel étage ils vont être, mais ils vont vous dire dans quelle direction ils sont. Donc ça, c'est plutôt assez utile de vous, de nouveau, vous jauger la situation, où est votre adversaire par rapport à ça. Donc de nouveau, très important, et niveau de la mortelle, moi je recommande le C4 parce que c'est plutôt assez utile de savoir où sont les petits campeurs, et tu balances le C4 pour terminer. Et évidemment, avant tout ça, avant de vous laisser tout simplement avec la fin de cette vidéo, les classes, enfin les armes selon moi qui sont les plus utiles. Alors évidemment la M4 est super utile, on va pas se le cacher, le FAMAS est très utile, la Kilo est très utile, et les deux autres armes, les deux autres AR qui sont vraiment très 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 bien, que je vous recommande, qui est la Gros et la RAM. Au cas où, pour ceux qui veulent une Beska setup à la RAM, j'ai sorti une vidéo là-dessus avec une dinguerie. L'arme est vraiment une dinguerie. Alors par contre, la RAM n'est pas vraiment très utile, tout ce qui est long shot, c'est pour ça qu'au cas où vous switchez avec un sniper, que je vous recommande plutôt la X, ou sinon l'autre, je ne m'en souviens plus comment il s'appelle, l'HDR je crois, c'est l'HDR, qui est plutôt assez utile. Niveau des fusils tactiques, j'aimerais bien vous conseiller quelque chose, mais en réalité, moi je fais que des hitmarkers, et je ne comprends pas vraiment là-dessus, tandis que des fois il y a des mecs qui me one-shot, donc voilà, un peu, mais je pense que je dirais plutôt la MK2 si vous voulez vraiment faire un truc, ou sinon le CAR, mais bon, le CAR faut vraiment viser la tête, et je fais pas mal de hitmarkers. Je vous recommande évidemment un vrai sniper, la X50, ou sinon l'HDR, qui sont une totale pépite, c'est une totale pépite. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo astuce, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai absolument dit tout ce qui était important par rapport à ça. Je vais vous laisser avec le gameplay qui est un 37 kills réalisé en live. J'espère que ce live vous fera plaisir. Et de nouveau, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Warzone. Ciao, ciao tout le monde. Non. Château 20. Là, j'ai pu prendre les deux. Il y avait quelqu'un, il m'avait dit on pouvait pas prendre deux fois la même arme. Ouais, ça c'est un peu bizarre, ça me paraissait un peu étrange. Tu peux faire le surarmement? Bah si tu peux. Oh, y'a un mec. Ah, oh.
Bah là, j'ai... Ah, je l'ai vu. Il rentre dans le bâtiment où il y a le store. Ouais, il est à l'intérieur, il est en bas. Là. Tu l'as vu? Encore un à terre derrière. Il y en a un à terre. Il déborde derrière. C'est deux équipes différentes en fait. Hein. C'est bon, j'en ai eu deux. Hein. J'en ai eu un. Je rebalance le drone. Je sais pas s'il campe au top en fait. De fortes probabilités que tu aies raison. Je regarde au top. Ouais, au top, ils sont sur le toit. Ouais, là. Ok. Il me snipe. Il a pris des balles. Hein. Ah, du coup, je vais aller le chercher. Là, j'ai enlevé tout son shield au top. Je fais pas de bruit. Par contre, si tu es au même endroit et que tu commences à courir, on va se faire repérer, gros. Bah, t'es où? Tu vois pas? Ah, ouais, mais t'es juste en bas en fait. En haut, pardon. 103. Hein. Non, il y en a un à terre, un grave one et un autre grave one. Ils sont tous one. Encore un. Bien joué. Et 3 en mort. Bah, viens, Bresse. Ah, mais yo, motard. Mais t'as vu, hein, je les ai tous one. Hein. Ah, j'ai eu que deux. Pourquoi j'ai eu que deux kills ici? Parce qu'il y en a un que moi qui a maillé à terre et vu que t'as terminé son équipe. Ok. Ah ouais, abuse pas non plus, gros, j'ai étouffé là. MP5, ils sont pleins, ils sont trop là-dedans. Vas-y, go dans le bâtiment là. Si on arrive à prendre le top, on sera pas mal. En fait, l'autre il est tout seul. Eh, il vient vers. Ah non, il se casse de l'autre côté. Regarde lui avec son camion. Mais lui il en a rien à foutre, hein, mec, la discrétion, mais l'autre le BR, discrétion, non. Faites pas de bruit, ok. Mec, il a oublié carrément de klaxonner aussi. Vas-y, je prends le top. J'espère qu'il n'y a pas un campeur qui m'attend en haut. Il est au top ou? Non, mais c'est pour. Non, mais pour Platy, pour Platy. Ouais, je crois qu'il est au top. Ouais, il est tout en haut. Il est là-bas au bout. Il a sauté en parachute. Il est parti. Faites gaffe, il y a quand même des mecs derrière, hein. Je rappelle, hein, évidemment. Il est parti où là? Ah, mec, gros, il essaie de nous brain là ou? Il sait qu'on le cherche en fait. Ah, mais l'autre, c'est la game de sa vie, gros, hein. T'as vu comment il court? Ah, il est là. Il a plus de shield. Bah, ping, il m'a lancé une. Voilà, il a pris. Plus, là. Et où? Il est parti encore en nord-est. Ouais, je le vois. Mort. Ah bah y'a une prime à côté, faut la récupérer aussi. Ouais, ouais. On a tellement d'argent les gars avec les primes. Je kiffe trop ça moi, chasser des gens là. Eh hey gros, lui on sait c'est quoi son prochain métier, hein. C'est un mercenaire, c'est évident. 6 600 $, allez. Ah, eh mais on l'a eu direct. Ils l'ont tué direct, du coup on a eu 2 200. Je crois que c'est la zone qui l'a tué. Oui c'est la zone, merde, la zone. La zone. Attends. C'est moi qui conduis. Oh merde, on va tous mourir. Vas-y, avance. Pas longtemps hein. Non, ouais, c'est pas normal. Bon. Bah écoute, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut rebalancer, on reprend un drone. Ils sont au top. Touché. Je remets un drone. Snipe. Touché. À côté non mais mec Non, ouais, ne me tue pas. Putain, quelle bande d'enculés. Incroyable. Ouais. Moi je suis au goulag, hein. J'ai une chance de m'en sortir. Oh putain. La zone. Il est dans le bâtiment, je crois, en dessous. C'est bon, j'ai gagné le goulag. Bien vite. Le véhicule. Ouais, vas-y. Bah, par contre, maintenant il faut qu'on pense à une position stratégique en vérité. Hein. Faut qu'on arrête les conneries là. J'ai acheté un drone, mais je l'ai pas sur moi. Ah non, c'est normal, ça marche, mais dans le véhicule. Tu le vois pas. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Je suis obligé d'aller sur la route. Hein. Non, j'ai pas le choix, c'est pas que je veux pas, mais j'ai pas le choix. Et on donc va aller vers ça. Pas d'accident, mec, parce que toi je te connais, hein. Dit-il, d'accord. Tu vois, regarde, moi je sais conduire.
Est-ce que tu as vu un problème là? On a lâché notre prime à 7500 du coup, LT là, pour tes joueurs. Ah, ça, t'es full argent là, lâche des drones. J'en ai même pas un. Bah là, t'as un shop là-bas, important. Attends, y'a un shop. Il y a leur zone. Bon, ok, bon, on y va, c'est parti. Je balance le drone, je balance. Et achète plein de drones, ils vont se poser derrière toi. Comme ça, on les récupère. Y'en a un là. Achète-en plein. Et achète-toi un équipe de réanimation. Ils sont là. Ok. Ils sont tous sur moi. Parfait, j'en ai récupéré un derrière. Ils sont sur moi là. Ouais, bah on arrive, gros, il est tout seul pour l'instant. Vas-y, fumez-le devant. Je vais fumer. Ah, ils sont plusieurs, ok. Ah, ok, ils sont fantômes en fait. J'ai one shot 2. Touché. Il manque une balle. Hein. Bien joué. 3 deagles. Ouais, bah par contre, moi j'ai plus rien. Il là. Était one. J'espère qu'ils ont des armures. Bah, le dernier était one, hein. J'ai mis double balle de snipe. Ouais, hein. Ouais, il y en a un fantôme. Si. Ils sont deux sur place, hein. Non, ils sont pas deux, il est tout seul, je crois. Non, il y en a deux, il y en a un fantôme. Il y en a un dans le bâtiment, je l'ai touché. Il a plus d'armure dans le bâtiment. Ok, je rachète des drones, les gars. Il est là. À terre, il y en a un à terre. Ok, dans le bâtiment. Je vais essayer de rush pour. Il est en train de le réa. Il a réa. Ah, oh, tu me l'as volé, moi c'est pas grave. Je récupère le deuxième du coup. Ok, à ça, vers toi, il y en a un. À terre. Le mec en bas, il était à terre. En bas. Mort. Je remets un drone. Un qui arrive des cieux. Ouais, il y a du monde ici. Hein. One shot, j'ai enlevé son armure. Il y en a un fantôme. Ah, ça, merde, je vous entendais plus. Bah oui, ça fait 3 heures qu'on te parle. Je sais pas, j'ai été muté, je sais pas pourquoi. Il y a un mec avec un shield en dessous de moi. Il faut qu'il sorte de la zone. Hein. Il est mort, direct. Ok, parfait. Ça va venir de la gauche. Hein. Ouais, il y avait du monde, hein. Il y en a 3, c'est un peu sûr. Pris une prime pour avoir des positions. Ouais, il y a là, à gauche. Je mets drone. Armure brisée. J'en ai touché un. À terre. Il y a le sniper. À terre. Et l'autre il est extrême gauche. L'autre il est à terre, ne le tuez pas. Il est en train de le réa, gros, je l'ai tué, je suis désolé. Non, c'est pas grave. Mien. Mais ça m'a compté le kill, ça m'a compté le dessus. Ah, mais non, ça me l'a pas compté. Oh non. En vrai, on est une équipe, les gars. Oh, il dit ça, il doit être à 15 kills l'autre. Pour dire ça, il doit être à 15 kills. Ok, voilà, allez, go. Par contre, drone. Ouais, je viens d'en acheter un. J'en ai acheté un aussi. Ah non, j'ai plus assez. Je croyais que j'avais assez, j'ai lancé mon drone comme un pigeon. Là. C'est pas grave. Ils sont là-haut. Hein. Par contre, il faut vraiment qu'on prenne des positions parce que là, on est trop désavantagés, vraiment. Faut qu'on pense à gagner maintenant. Ouais, bah, y a plus de shop, du coup, perdez plus vos armures et tout, les gars. Là, y'a plus de shop après. Il y en a un qui traverse la rue. Touché. Plus loin aussi, y'a un ennemi là-bas. Faites pas les cons. Je suis one. Je vais prendre la ligne, les gars, j'ai plus de vie. Je te laisse les armures. Ouais, y'a des gens, ouais. Dans la forêt. Faut aller à la montagne là. Ouais, et très vite. Dans la forêt, y'a du monde, hein. Faut qu'on rentre zone, mais faut qu'on ait des protections, les gars, parce que c'est la merde. Terre, mort. Let's go. Faut qu'on longe à la gauche, les gars. Vous avez encore un drone de côté au cas où? Vous le gardez de côté? Ouais, j'en ai un. Clairement pas. Faut qu'on bouge. Faut qu'on longe la zone, la gauche, les gars. C'est le seul bâtiment qui est à gauche. Faut qu'on y aille. Il est dans la zone, le bâtiment.
Et faut qu'on se serve de la forêt. Ouais, ok. Il reste 12 mecs. Bon. Il reste 12 mecs, les bons. Ouais, on se serve de bien de la forêt. Je vais lâcher le drone bientôt. Hein. Ok, ça tire, ça tire, ça tire. Ne tirez pas tout de suite. Attendez au moins d'être sûr. Ils sont juste devant. Et surtout, on fait pas des gunfights débiles. Vraiment. Ils sont juste devant, les gars. Bah, on attend, on attend. Moi, je les vois pas encore. On prend la hauteur, on prend la hauteur. Moi, je les vois pas. C'est bon, on est au-dessus. Juste en dessous là. Ok, je le vois. À terre. Bien joué. À terre. Je termine son pote. Hein. Plus qu'un. Je mets drone. À gauche. Il va mourir. Il va dans la zone. Attends, attends. Ne va pas le chercher bêtement. Ne va pas le chercher bêtement. Ok. J'avais pris le C4 au cas où. Derrière nous, derrière. Ouais, ouais, il y en a un derrière. De précision, il avait. J'ai récupéré une de précision. Il y en a un qui est derrière nous. Hein. On va aller le chercher derrière. Il est pour la hauteur du coup. Il arrive, ouais. Il arrive sur nous. Ouais, je le vois. Armure brisée. Mort. Okay. Oh, moi je fais pas un kill. Par contre maintenant ils sont où les autres? C'est les derniers, hein. deux derniers les bros. Et après c'est le top 1. Et en dessous du pont peut-être. Ils sont peut-être dans le creux là-bas. Je sais pas, mais on a l'avantage pour le moment. Arrêtez de rusher, on a l'avantage pour le moment, vraiment. J'avance un peu dans la zone, je me mets derrière l'arbre. Ok, derrière. En dessous, ils sont en dessous, on a l'avantage. Ouais, on a l'avantage. A droite, il y a un ennemi là, ici. Touché, armure brisée. Mort de mon côté. Devant toi, ça, il était armure brisée. Let's mort. Go, gagné. Mort de mon côté. Let's go! Let's fucking go! Monstrueuse la game, monstrueuse. Let's freaking go! J'ai pas enregistré, mais j'ai. Moi j'ai enregistré, bah c'est en live, c'est enregistré du coup. Waouh, GG mec, trop chaud. Merci beaucoup, Lilzorn. Classement 20, 13 et 4, ça nous fait 37 kills. 37 kills, t'as fait 4 kills à ça! Mais gros, il a pas compté le mec, le dernier kill, il a pas compté. Let's go! J'en ai fait un de kill pour le top 1. Non, parce que c'est moi qui l'ai mis à terre et en fait Platinum l'avait tué l'autre. Et du coup, vu qu'il pouvait pas se réa. Eh les gars, regardez la cinématique. Oh les beaux gosses. Oh les beaux gosses. Ouais, c'est quoi ce bug ça? Ouais, c'est un bug. Non, c'est la meuf, c'est moi. Let's go. Merci les bros. J'ai fait que 4 kills parce que Platine m'en a volé 10 aussi. Allez. Attends, ça va être de ma pote. Regarde mon nombre de dégâts. Platine, toi tu dois être qu'à 4 kills normalement. Voilà. Ça brise des amitiés les kills. Let's go. Mine de rien, j'ai 4 kills, mais j'ai 10 500 de dégâts. Non, c'est du score, toi, hein. Non, ça, c'est du score. Les dégâts, t'as à 2000. T'as